Dans cette vie toute pleine de plaisir, de joie et d'amour, dans cette vie sous la reine, je ne ferai qu'un court séjour. J'y resterai 3 mois peut-être, 3 mois, c'est bien plus de 3 mois, c'est plus quand on veut tout connaître, aussi je veux dans ces 3 mois. Jusque-là, je suis très bien avec le temps. Je veux m'en fouler, fouler jusque-là. Je veux m'en fouler, fouler jusque-là. Je veux m'en fouler jusque-là. Je suis très bien avec le temps. Je veux m'en fouler, fouler, fouler jusque-là. Est aujourd'hui irremplaçable pour son humour, pour sa vie. Si on m'avait pas offert une bac maintenant, moi j'étais très malheureuse. J'étais ravie, absolument ravie de pouvoir m'éclater avec Offenbach. Bien sûr, à Étretat, c'est toute une histoire. Ce personnage arrive à Étretat, inconnu évidemment des marins pêcheurs ou des estivants de l'époque, qui découvre ce personnage qui va jouer des opérettes au casino d'Étretat, donner cette émancipation, cette musique gay, et il va composer dans cette villa qu'il va construire à Étretat de nombreuses opérettes. La villa Orphée qu'il a construite grâce donc à l'argent qu'il a gagné avec Orphée aux Enfers, 1858. Il a construit cette maison, mais ce n'était pas pour la gloire de l'argent, c'était plutôt pour organiser des fêtes. Il avait envie de s'amuser aussi. Et Offenbach allait à la plage à Étretat, donc en char à bande. Et pour lui, le fait de se retrouver à Étretat, c'était vraiment salutaire. Donc, et c'est comme ça qu'on a fait ce festival. Thank you.
sympathique. C'est amusant, familial, sympathique. C'est un petit côté décalé qui est vraiment agréable. La poularde était de taille, elle venait du Mans. De la belle volaille et quel contour charmant. Dame jaune, elle était peinte, nous la mangions des yeux. En nouvelle sortie de peinte, des chambertins triviers. La bonne poularde, le goûté, le goût. Ah, pourvu qu'on en garde un petit morceau pour nous. Mortelon, cailleux et grive, tous en dessous dessus. Triffes et champignons, olives qui baignent dans le jus. Ça sortait de la cuisine, des parfums de planchois. Ça nous avait une mine à s'arrêcher les mains. C'est un festival qui se fait de plus en plus connaître, tout en gardant cet esprit jeune, gai, joyeux, et puis un peu satirique, un peu parodique. C'est moi qui l'ai, on va dire, créé, allé fonder avec l'aide de Daniel Fidelin, voilà, qui était député. Et j'avais demandé à mes grands amis, Yves Coudray, Franck Le Guérinel et une amie pianiste aussi, Hélène Blanik, s'ils me suivraient dans cette aventure pour une première année, ce qu'ils ont fait. Yves a écrit un merveilleux texte. On l'a chanté, Franck et moi, on l'a joué. Tout a débuté comme ça. Au début, c'était plus modeste. Et puis, depuis quelques années, on occupe une semaine entière avec diverses interventions et activités. Pour nous, ça apporte vraiment un moment culturel à Étretat et puis un moment de bonheur et de fête. Aujourd'hui, on atteint 2 000, 2 500 festivaliers, en plus des touristes de passage qui sont à Étretat et qui sont amenés à croiser les spectacles ouverts au public qui ont lieu à Étretat. Donc comme il y a, sur une semaine, il y a à peu près 20 000 ou 25 000 touristes, ça fait quand même du monde qui assiste directement ou indirectement au festival. Nous réclamons qu'on aurait la bonne femme.
danser comme nous verrions. Si tu veux conserver ta perruque pour nos terres, ne nous réclame rien et tourne les talons. Et des compositeurs que je préfère au monde, que j'ai le plus chanté d'ailleurs aussi. Voilà, c'est, je trouve qu'il est intemporel. Les pièces sont magnifiques, drôles, enlevées. Les personnages, bon, ça, c'est pas forcément lui qui a travaillé là-dessus, mais enfin, il y a travaillé musicalement avec des gens de qualité, on va dire. C'est toujours passionnant à faire, c'est toujours passionnant à jouer, c'est passionnant à chanter. Voilà, c'est la joie. Je sais qu'on le compare souvent à du champagne, mais effectivement, c'est du champagne. On apporte beaucoup de bonheur à tous ces spectateurs qui repartent enchantés. C'est un public de tous les âges en plus. Hein. On a une image du théâtre léger, du théâtre musical léger, où les gens sont... le public est un public âgé et qui regrette ce qu'il y avait dans le temps. Et c'est pas vrai, en fait. Il faut juste donner l'occasion au public de maintenant d'entendre ces ouvrages-là, d'en faire quelque chose de léger, d'élégant, parce que c'est toujours élégant, ça supporte pas la lourdeur et la vulgarité, parce qu'il n'y en a pas du tout. Je suis le joli geôlier à la belle barbe en broussaille. On dit quelquefois de la tailler, mais moi jamais je ne la taille. Et tin 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 tin, sonnez mes clés soir et matin. Et tin 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 tin, chantez votre joyeux refrain. Et tin 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 tin, sonnez mes clés soir et matin. Et tin 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 tin, chantez votre joyeux refrain. Aux prisonniers d'un
préparatif, je vais porter la nourriture. Malgré mon air rébarbatif, je suis une bonne nature. Sonnez, 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 sonnez. Ah, et tin, 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 tin. Sonnez vos clés, soir et matin. Et tin, 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 tin. Chantez votre joie le matin. Je dirais plus, il est charmant. Vrai comme un pont. Et c'est mignon. Il est charmant, charmant, charmant. Avec son qui sonne. Sonne, 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 Je trouve ça formidable qu'on appelle le spleen Offenbach, c'est merveilleux. C'est une musique. Vous savez, je crois que dans la musique, tout est bon. Mais comme au restaurant, on ne va pas tous les jours dans un Michelin 3 étoiles. Bon, il y a Bach. Et puis, il y a aussi des bistrots qui nous font vraiment plaisir. C'est de bonne qualité. Ce n'est pas la même chose. Et moi, j'adore ça. J'adore ça. C'est quand même un des rares compositeurs de cette époque-là qui a gardé une telle notoriété. Il ne se passe pas des fêtes de fin d'année sans que plusieurs théâtres à la fois affichent des œuvres d'Offenbach. Alors ce qui est dommage, c'est que ce sont un peu toujours les mêmes qu'on voit. La Belle Hélène, la Grande Duchesse de Gerolstein, la Vie Parisienne, la Péricole, voilà, et quelques autres un peu moins connus. Et ce qui est superbe dans le Festival d'Étretat, c'est que nous ressortons des œuvres que les gens ne connaissent pas très bien, soit ne connaissent pas du tout, n'ont jamais entendu. Il y a quelques années, nous avions redonné ou donné pour la première fois en France une petite œuvre en un acte qui s'appelle Fleurette, dont on entend des extraits dans le spectacle de cette année. Des choses qu'on n'aurait jamais vu proposer dans aucun théâtre, sauf ici. Donc c'est vraiment chouette. Les
les pianos qui font les festivals et qui tournent en location pour les concerts sont des pianos qui ont besoin d'un entretien spécifique. C'est un instrument qui a besoin de soins. Il va falloir que je laisse la place aux musiciens et puis j'aurai leurs remarques après leur répétition de manière à pouvoir intervenir avant le concert, à réajuster des petites choses. Il y a un Offenbach pur compositeur qu'on connaît moins puisqu'on connaît quasiment que les œuvres vocales. Toute sa littérature de violoncelle, par exemple, est assez formidable, très complexe. Tous les violonistes, les violoncellistes, pardon, qui s'y attaquent, le savent et le redoutent. Parce que comme c'était lui-même un immense virtuose, il écrivait des choses à sa mesure et puis aussi pour se faire briller lui-même. Quand j'ai commencé à le travailler, j'avais presque sous-estimé la difficulté d'exécution. Et c'est un... ça paraît pas difficile. Ça paraît très simple comme ça. Et je m'étais laissé prendre. Et je vous avoue que j'ai ouvert la première page un petit peu tardivement pour le concert, parce que je me suis dit, c'est bon. Et j'ai eu des sueurs froides, parce que je me suis dit, ben non, en fait, c'est très difficile. Voilà, donc ce qui est bien, c'est que c'est pas de la virtuosité gratuite. On entend presque pas que c'est de la virtuosité, d'ailleurs. Thank you.
C'est quelqu'un qui touche la personne, en fait, tout de suite, directement. Et il est très accessible. C'est quelqu'un, je pense, très ouvert et qui est très généreux. Et dès qu'on joue sa musique, on le ressent tout de suite. Dans sa musique qu'il écrit donc pour le vision scène, on sent toute l'inspiration qu'il a eue ensuite pour ses opérettes. Et c'est très, très, très fort. Il se permettait des choses, quoi. Et je crois que le public qui écoute cette musique ressent cette liberté, cette joie de vivre, en fait. Offenbach est une musique généreuse, une musique qui est faite pour rendre heureux. C'est pas si fréquent d'ailleurs, hein, parce qu'au fond, les plus grands musiciens parfois sont des artistes qui nous rendent profondément tristes et mélancoliques. On pourrait citer pas mal d'exemples, hein, de Beethoven à Wagner, à Chopin, etc., même s'il y a des pages heureuses chez tous ces musiciens. Mais Offenbach, effectivement, il y a cette générosité, cette verve, ce goût de faire plaisir, de séduire, d'enchanter, de prendre le spectateur par la main et de le conduire jusqu'à la fin sans un temps mort. Offenbach veut vraiment donner quelque chose au spectateur et que le spectateur participe à sa musique dans sa gaieté, dans toute son évolution. Cette volonté d'être heureux et de rendre heureux, c'est vraiment, je crois, effectivement, quelque chose qui caractérise le génie d'Offenbach. Oh, je suis la portière. Je suis le potier. Telle est ma carrière. Tel est mon métier. Je suis des premières. Je suis des premiers. Parmi les banquiers. Parmi les banquiers. Oui, tel est mon métier, oui, tel est mon métier. C'est la botte qui dénote l'homme vraiment élégant. C'est la botte. Plus jeune homme n'est en somme dans le monde bien raconté. S'il est coquettement ganté. S'il est finement botté. S'il est finement ganté. S'il est finement botté. S'il est finement ganté. Si j'ai grand homme élégant. Et de baiser, de dévorer, de baiser, de dévorer.
Offenbach, il est autant créateur de musique que de théâtre. C'est pas contenté d'écrire des notes ou des mélodies. Il a fait un travail très spécifique de mélange de théâtre et de musique. C'est peut-être un des premiers qui a vraiment associé la musique lyrique avec la parodie. C'est Hervé, son ami, ennemi, son fâché, réconcilié, enfin, qui est un moins grand compositeur, mais qui est un personnage quand même extraordinaire, qui invente l'opérette un tout petit peu avant Offenbach. Il accueille Offenbach dans son théâtre, et puis Offenbach trouve la recette formidable, et il la porte à un sommet qu'Hervé ignorait. Comme Hervé, sous le Second Empire, invente l'opérette comme une chose complètement loufoque. C'est-à-dire qu'on se moque de la société, on se moque du grand opéra, c'est une des grandes choses aussi, on prend tous les clichés de Meyerbeer, d'Auber, etc., de tous les grands compositeurs de l'époque, et on les tourne en dérision pour faire des œuvres. Donc c'est vraiment un opéra très satirique, au sens, on dirait aujourd'hui, au sens de, je sais pas quoi, des Monty Python, de Gottlieb, etc. C'est, on prend les sujets que tout le monde connaît et on les tourne en ridicule. Le niveau de lecture chez Offenbach est énorme. C'est-à-dire que ça fait référence à la littérature, à la littérature très ancienne, et puis à la musique, puisqu'il pioche beaucoup dans des choses qui étaient très jouées à l'époque pour justement faire sourire les spectateurs en détournant le propos, par exemple en appliquant les canons du grand opéra à des choses de la vie quotidienne, le grill par exemple. Oh, yeah.
se grille. Ce que nous ferons, Dieu se grille. De ce grille, de ce grille. De ce grille. Mais que ferez-vous de ce grille? Nous mettrons le grille sur le feu. Et sur le grille, les contraintes. Quand le grille sera sur le feu, le feu cuira les contraintes. Et quand nous faisons le feu, quand le grille les Mais en même temps, et c'est ça qui est formidable chez lui, c'est qu'on peut parfaitement écouter la musique comme ça et la trouver ou drôle, ou belle, ou extraordinaire. Et puis quand on a en plus la clé de lecture de voir à quoi ça fait référence, mais c'est une chose qu'on ne peut pas s'arrêter de rire. Par exemple, le trio de la Belle Hélène, qui est si connu, c'est vraiment, ça fait référence au grand trio patriotique de Guillaume Tell, qui était la chose la plus connue de l'époque. Et que tout d'un coup, ça soit détourné pour une histoire de... C'est cette chose qui parle vraiment de l'Helvétie, quand l'Helvétie est un champ de carnage. Et là, il répond quand toute la Grèce est un champ de carnage et ça devient une histoire de ménage, de mari trompé. Donc ça détourne complètement le sujet. Et c'est ça qui, effectivement, crée à l'époque un immense éclat de rire chez tout le monde. Lorsque la Grèce est un champ de carnage, quand on y meurt, te fiche pas mal de ton pays. Voyez pourtant ce qui se passe. L'époux lâche l'épouse. Et l'épouse à son tour de l'époux déserte l'amour. Chez Offenbach, il y a quand même un génie mélodique, un naturel, une fraîcheur, quelque chose de mozartien qui n'est pas seulement de l'ordre de l'humour. Je me souviens que moi-même, quand j'ai découvert Offenbach, c'était un vieux disque de la Belle Hélène chez mes grands-parents. Et au fond, j'ai tout de suite adoré cette musique, mais sans du tout comprendre ni penser que c'était une chose faite pour rire. J'ai juste entendu ça comme le chant, l'opéra, le naturel du chant. Le roi bat le but qui s'avance, but qui s'avance, but qui s'avance, c'est Agamemnon. Agamemnon,
Il a beaucoup de qualités, mais il a une première qualité, peut-être, qui pourrait le rapprocher d'ailleurs de Verdi dans un autre genre, qui est le sens du théâtre absolu. Ce qui fait que ces pièces marchent si bien. Je veux dire, tout est construit au millimètre, c'est efficace, c'est très bien fait. C'est pas seulement des bonnes idées un peu loufoques, mais c'est très très bien fait. Il y a toujours cette finition qui le met au-dessus de la plupart des autres compositeurs dits d'opérette. Il y a de la surprise, quoi. Il y a de la surprise, je trouve que sur le mot, enfin, je sais pas, le mot principal, c'est surprise, parce que même nous, on rit, on s'amuse, alors qu'on travaille quand même beaucoup, mais on est surpris par ce qui se passe. Et puis, c'est des artistes, les artistes sont de grands talents. Ça, faut le dire. Je crois que c'est une musique qui à mon sens, ne supporte pas la médiocrité. Il faut que ce soit extrêmement bien servi. Salut dans l'assemblée. Sens du théâtre, il y a cet instinct mélodique, cet épanchement mélodique, cette source qui se tarit jamais. Mais il y a aussi, évidemment, ce sens rythmique qui est une chose tout à fait exceptionnelle, c'est-à-dire ce goût de la danse, au fond, cette frénésie, cette chose qui tourne sans jamais s'arrêter. C'est frappant dans les œuvres d'Offenbach. Au fond, il reprend tous les rythmes de l'époque, hein, tous les rythmes des danses, justement. Il y a de la valse, il y a de la mazurka, il y a du galop, beaucoup de galop, il y a de la saltarelle, etc. Enfin, tous ces rythmes un peu envoûtants, comme ça, il les utilise jusqu'à la folie. C'est à toi tout.
petit coin lotinant de vertes campagnes, que le soleil rôtit au fin fond des campagnes. C'est un coin tout petit au fin fond des Espagnes. Allons vivre tous deux au fin fond de toutes les Espagnes. Viens nous serons heureux au fin fond de toutes les Espagnes. Allons vivre tous deux au fin fond de toutes les Espagnes. Viens nous serons heureux, viens nous serons heureux au fin fond de toutes les Espagnes. Choses qui sont extrêmement subtiles chez Offenbach, d'un point de vue de la fabrication. Certaines œuvres ont porté extrêmement loin des manières de faire où on voit la complexité et puis le côté savant. Madame Favart, il y a des ensembles avec des contrepoints. Bon, c'est une pièce de la fin de sa vie, hein, c'est 1878, où on sent là une maîtrise très importante. Alors, toujours avec des petits airs... vraiment comme des airs populaires, quoi. Tout ça s'écoute très facilement. Puis en fait, quand on décortique un peu, puis qu'on entend l'orchestre, est très sophistiqué dans le même savoir. Quand du four on le retire, tout fumant et tout doré, aussitôt chacun admire le gâteau bien préparé. Il a fort belle apparence, on est pressé d'en manger, mais pour de la consistance, il n'en faut pas exiger. Mettez-le dans la balance, c'est léger, 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 léger. Mettez-le dans la balance, c'est léger, 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 léger. C'est léger, léger, c'est léger, bien léger. Chacun dit la belle mine, c'est un gâteau sérieux, mais pour peu qu'on l'examine, on s'aperçoit qu'il est creux. Bien des gens dans notre France ainsi peuvent se juger, tout plein de leur importance, vous les voyez se gonfler. Mettez-les dans la balance, c'est léger, 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 léger. Mettez-les dans la balance, c'est léger, 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 léger. C'est léger, léger, c'est léger, bien léger. Sort avec la banane, comme on dit, et en fredonnant des choses, parce que c'est tellement écrit d'une façon organique et rythmique et en adéquation avec les mots que ça reste. Et ça reste pas parce que c'est facile et parce que c'est de la rengaine, ça reste parce que c'est très bien fait. Et fort et bonheur, je vous voyais le grand cacatois.
mes sujets, dont je suis le père, mènent tous, du moins je le crois. Si on vous dit dans les gazettes que je ne dirige pas bien, que j'ai payé toutes mes dettes, mes chers amis, n'en croyez rien. Sur ma parole, c'est un canard, un plus frivole, un traquenard. Sur ma parole, c'est un canard, c'est un canard, c'est un canard, c'est un canard. Croyez pas à ce propos. Sur ma parole, c'est un canard, un bris frivole, un traquenard. Sur ma parole, c'est un canard, c'est un canard, c'est un canard, c'est un canard. C'est ce que les gens recherchent, c'est le côté léger, gai. Mais je pense que c'est plus profond que ça en a l'air. La femme dont le rêve n'a pas de sommeil. Chaque jour elle se lève avec le soleil. Le matin de fleurs plus belles, les plis sont bondés. La musique d'Offenbach, ça me donne la joie de vivre, ça donne envie de vivre, ça donne envie de boire, de chanter, de voir beaucoup de femmes, de voir des beaux paysages, de voir des fous rois et des vraies princesses. Ça donne plein de choses, plein de rêves. Toujours alors, oh oui, toujours. Toujours alors, oh oui, toujours.
imbécile, jamais tu ne me laisseras tranquille. Non, jamais, fermière indocile, tant que tu seras l'objet de mes amours, tant que tu seras l'objet de mes amours, mes amours. Ah, quel est crispant, quel est agaçant, quel est agaçant, quel est irritant. Ah, quel est aimable, quel est agréable. Ah, quel est crispant, quel est agaçant, quel est agaçant, quel est irritant. Ah, quel est aimable, quel est agréable. C'est vraiment une musique qui me remue de l'intérieur. Quand, c'est vrai que quand Yves Coudray nous envoie les partitions, les extraits, et que j'écoute ça, tout de suite, je me mets à bouger, je me mets à avoir le sourire. Et c'est vraiment une musique qui parle au cœur et qui met en joie. Et en même temps, très bien écrite. Donc, en tout cas, moi, j'ai beaucoup de plaisir à chanter cette musique, à découvrir ce répertoire. C'est une musique très joyeuse, très festif. Voilà. Et surtout aussi, en travaillant avec des artistes, les artistes invités de ce festival à Trotard, d'Offenbach, ce sont des artistes, ce sont des maîtres vraiment de l'opérette française. Alors pour moi,
je me considère comme un chanceux. J'ai beaucoup de chance de travailler avec eux parce que j'apprends vraiment comment on fait ce métier, le rapport avec la parole, avec tout ce répertoire très original. Votre ami a craqué dans le dos. Votre ami a craqué dans le dos. Je fais des costumes de A à Z. Je fais pas de maquettes parce que c'est beaucoup de costumes qui sont faits à partir d'autres ou de matériaux ou de directement aux mannequins, des tissus que je peux trouver dans des vide-greniers. J'ai acheté des rideaux, par exemple. Je suis dans un genre ancien un peu. Moi, j'aime les costumes qui veulent dire quelque chose, qui représentent quelque chose. Quand la personne, l'acteur, le chanteur, le danseur rentre en scène, c'est un peu... C'est comme une belle affiche, un mystère. Une affiche, ça doit se poser des questions. On doit être attiré, on se dire, tiens, un costume, c'est un peu ça aussi. C'est physique. Alors à la fin du spectacle, ouais, c'est très physique. On sent passer des 1h30 qu'on vient de faire quand même. Donc, mais dans le bon sens, c'est un bon. Une bonne fatigue, oui. Une bonne fatigue. Ouais. Ce sont des spectacles qui sont exigeants. Qui sont exigeants tant au niveau du texte, du débit chanté que parlé, parce que chez Offenbach, c'est un débit chanté, toute cette répétition de syllabes, oui. Qui est très fatigant si on veut garder une belle ligne vocale par-dessus, et aussi parce qu'on danse beaucoup, parce qu'on bouge beaucoup. En ordre sans mon uniforme, je vis qu'il n'était pas complet. Je m'aperçus là qu'une énorme que j'en avais pas non plus belle. De chante la gloire, tous deux, ils savent nous charmer. Oui, tous deux, quand l'un nous fait peur, et l'autre, elle nous fait aimer. Ah, ah, ça commence! Ça commence! Tout danse, danse, danse.
elle s'en va, et déjà ma tête s'en va, et oui, elle Je fais longue pause quand on me verse du bon vin. Je m'assieds lorsqu'on l'on m'arrose comme une fleur dans un jardin. Ce que je ne m'explique guère, c'est pourquoi on m'a à Paris. Je m'en fais fin dans les grands verres et le bon vin dans les petits. Ah, 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 ça commence, ça commence. Tout tourne, tourne, tourne. Tout danse, danse, danse. Et voilà déjà comment elle s'en va. Elle s'en va. Elle s'en va. Tout tourne, 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 tout danse, danse, danse. Et déjà ma tête s'en va, elle s'en va, elle s'en va. Et déjà ma tête s'en va, et oui, elle s'en va. L'opérette est considérée comme mineure, je ne sais pas pourquoi, par rapport à l'opéra ou par rapport au théâtre. Et ça, c'est un vrai sujet, parce que y a quand même, pour être acteur d'opérette, il faut être acteur de théâtre, d'opéra, et en plus avoir une voix extraordinaire et parler, savoir à la fois parler, chanter et danser parfois. Amateurs d'opéra dénigrent un peu l'opérette en considérant que c'est une musique qui est trop facile, mais certains acceptent de chanter l'opérette et à ce moment-là reconnaissent et disent que c'est quand même un art très complet qui leur plaît. Sommeil dans les rocs que voilà, ce sont mes deux yeux noirs qui
marche comme un chamois léger. Et mon cœur bondit quand approche le moment du danger. Cette main fluette et légère a des muscles d'acier. Elle a couché dans la poussière plus d'un carabinier. A fusil brillant au clair de lune, puis à court retentit popo. C'est Fiorella la brune, la fille du bandit. Je serai la fille du bandit. C'est Fiorella la brune, c'est Fiorella la brune. Je suis la fille du bandit. Je suis la fille du bandit. Il y a beaucoup de moments d'émotions, il y a beaucoup d'émotions, je trouve. Il n'y a pas que de zim-boum-boum. Quand on parle d'Offenbach à quelqu'un, on a toujours l'idée du cancan derrière la tête qui vient tout de suite. C'est ce qu'on connaît principalement de lui. Mais quand on y travaille un peu, quand on le rencontre un peu, on se rend compte que c'est une musique qui est très diverse. On a vraiment le mélange de bouffonnerie que tout le monde connaît. C'est surtout ça que les gens ont retenu. Mais ce qui est très touchant, c'est que derrière ça, il y a toujours quelque chose de... Il y a un fond de tristesse, de nostalgie, de mélancolie, beaucoup de tendresse. Ce qui est merveilleux sur Offenbach, c'est que justement, la gaieté et la légèreté ne sont jamais exemptes de profondeur. C'est comme si la musique... C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne pèse jamais. Qu'est-ce qu'elle peut faire?
On est maintenant à 10 jours de festival avec 2-3 représentations, ça dépend des années, des concerts très différents, mais aussi une chose sur les héritiers d'Offenbach. C'est Maurice Yvain, immense musicien, qui est pour moi le plus grand compositeur parmi ses héritiers d'Offenbach de l'entre-deux-guerres. Le baiser que l'on aime tant, au lieu d'être excitant, moi je le trouve dégoûtant. Non, je ne suis pas pudibond, mais je ne trouve pas ça bon et ça me fait faire un pont. Jamais aucune femme n'a pris baiser infâme. Ma bouche a d'autres emplois, je la garde pour moi. Un baiser, un baiser, un baiser, un baiser. Pas sur le bouche. Un baiser, un baiser, un baiser, un baiser. Ça me fait rouge. Dans tous les ciné, des baisers effrénés quand le film est terminé. Sur l'écran, deux muses au joint, pendant 20 secondes au moins, et devant 2000 témoins. Moi, je trouve ça cynique, et ce n'est pas hygiénique. Je garde mes microbes, c'est plus sain que les passer aux voisins. Un baiser, un baiser, un baiser, un baiser. Oui, mais pas sûr. On découvre tellement de choses et de ça, alors là pour le coup, un petit moment de satisfaction, je suis très fier. Je suis vraiment, et puis je suis aussi très fier de mes amis, des gens qui depuis le début répondent présent. J'ai vraiment la très 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 grande chance d'être entouré par des artistes exceptionnels. J'ai retrouvé tout à coup. Elle a trouvé tout à coup. Ça m'a fait trembler les genoux, tellement c'est fou. Celui que j'avais perdu. Bien sûr, elle l'avait perdu. Hasard inattendu, soudain l'a rendu. Ma bouche a souri en prononçant le nom chéri. Sa bouche sourit en prononçant le nom chéri. Il y a plus de 20 ans, c'est trop. Non, vraiment, c'est vraiment trop. Que je l'ai garé dans le métro, au Trocadéro, pendant 2 années entières. Pendant 2 années entières. Je l'ai cherché jusqu'aux frontières, même à la fourrière. Je l'ai repéré au grain de beauté qu'elle m'a montré. Il m'a repéré au grain de beauté qu'elle m'a montré. Pa, 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 pa. Je te présente.
S'il était là pour regarder le festival Offenbach, finalement, il serait très content. Il serait ravi de voir, au fond, que le festival Offenbach, il est là pour prolonger, finalement, cet état d'esprit de gaieté, de joie de vivre et de satire. J'ai juste envie de lui dire...